Bienvenue dans les anniversaires du jour avec Gérald et Olga et la guitare de Brian May. Vous savez, le fameux solo qui conclut We Will Rock You, qui a été justement composé par Brian May du groupe Queen. Et on passe à une autre musique avec France Musique et on retrouve Astor Piazzolla. Merci à Saskia Deville avec son excellent en direct du festival Radio France. C'était le Quatuor Calente, ça va bien, avec la chaleur, 29 degrés. Et bonne chance pour les 11 000 athlètes, ça c'est dans RTL qu'on le voit, avec le programme Jour par Jour en heure française, avec Grégory Fortune. 11 000 athlètes, 50 disciplines, pour ces 29e Jeux Olympiques, vous êtes dans les anniversaires du jour avec Gérald et Olga. Allô, Maigret à l'appareil. Le commissaire Maigret. D'après Georges Simenon, l'occasion de revoir Jean Richard. Et ici, bien sûr, Robert Dalban, qu'on retrouve dans les Tontons Flingueurs avec Lino Ventura, et Francis Blanche, dont on célébrera le centenaire de la naissance. Ici, c'est assez rare, puisqu'on sait la voix de Queen, c'était Freddie Mercury. Mais We Want to Live Forever, écrit par Brian May, et chanté. Au départ, en tout cas, par Brian May. Allez, vous êtes dans les anniversaires du jour. Bon anniversaire au grand peintre Edgar Degas, à l'acteur Robert Dalban, qu'on a vu dans plus de 300 films, le regretté Max Fleischer et le non moins regretté Benoît Duquesne, journaliste, c'est un peu plus près chez nous. Charles Villeneuve, Brian May, donc le guitariste, docteur en astrophysique également, donc du groupe Queen, Karen Cheryl alias Isabelle Morizet, Sinclair et les acteurs Saïd Tagmaoui et Bénédicte. Cumberbatch. Exactement, qu'on a adoré dans Sherlock. Bah tiens, ça justement, on le trouve ici. Allez, et on se quitte avec Isabelle Morizet. D'après Sara Perchetti-Amo, on souhaite un bon lundi, une bonne semaine et je vous dis à demain. À demain.